Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui, comme vous le voyez, sur Hellblade. Alors, c'est Senua's. Comment, je sais même pas comment ça se dit, Senua's, je ne sais plus comment. Je ne sais pas le prononcer non plus, je suis désolé. Alors, on va se mettre comme ça. Alors, Senua's Sacrifice. Alors, je suis désolé si ça se prononce pas comme ça. Donc, ce jeu, en fait, c'est Ninja Theory qui est derrière. Ça sort aujourd'hui, donc le 8 août, c'est Ninja Theory qui est derrière, donc les mecs qui ont fait les Ninja Gaiden et tout. Et pourquoi j'ai acheté ce jeu? En fait, j'ai vu que des pubs de ce jeu, j'en avais jamais entendu parler, j'avais vu que des pubs avec des petits trailers et tout, je me suis dit putain, ça a l'air fou. Mais en fait, j'ai absolument pas cherché d'infos ni rien sur le jeu. Et hier, je me suis dit tiens, il sort demain, je vais aller regarder sur YouTube s'il y a des vidéos de gameplay, des trucs comme ça. Je suis allé sur YouTube, j'ai regardé une vidéo de gameplay, parce que je me suis dit Ninja Theory oblige, à mon avis, ça va être un truc à s'arracher les cheveux encore. Et ça m'a donné envie, ça m'a intéressé. Et donc je me suis dit, bon bah je vais le prendre. Alors il est disponible que sur le store pour 30€. Et je me suis dit, bon bah... Oui, on va le prendre. À mon avis, ça c'est un ajout de la PS4 Pro. on va mettre automatique. Ça, j'espère qu'ils vont nous les expliquer durant la partie. Et donc, je peux absolument pas vous donner d'infos vraiment sur le jeu, puisque j'en ai moi-même pas du tout. Et donc, pour ceux qui comprennent toujours pas, de toute façon, c'est marqué dans le titre, vidéo découverte. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, on n'est pas sur un test, parce que j'ai encore des gens qui confondent. Et moi, quand quelqu'un confond une de mes vidéos découvertes avec un test, bon, j'ai un peu mal au cul quand je me fais chier à faire un test, parce que je me dis, on voit quand même une sacrée différence entre un test et une découverte. Sur un test, il y a du montage, c'est en off, j'ai fini le jeu, ou alors je l'ai bien saigné, j'ai pris des notes, j'ai préparé un texte, enfin, il y a approximativement 10 fois plus de boulot sur un test que sur une découverte, donc bon... Parce que là, sur une découverte, je sors juste le matos, je lance la capture et puis on y va, quoi. Donc ça me fait un petit peu mal au cul, donc... Donc essayez d'être un peu logique, hein. Quand c'est marqué vidéo découverte, c'est pas un test. Vous allez pas apprendre des choses ni avoir un avis sur le jeu. Ah, je peux bouger un petit peu la caméra. Yeah.
has finally arrived in the land of mist and fog. The place the Northmen call Hells. C'est très spécial, hein, pour l'instant. L'ambiance est quand même assez particulière. Il était mort un peu partout. Je pense que cette vidéo va être un petit peu longue, hein, si je veux vous montrer un peu le jeu. Ça y est, je peux plus bouger la caméra, donc je pense qu'on est arrivé. Ouais, on est arrivé, on va descendre de ce radeau. Alors pour l'instant, ambiance très particulière. Ça me gêne absolument pas. Oula, excusez-moi, j'ai tapé dans le micro. Je suis désolé pour vos oreilles, pour ceux qui avaient un casque. C'est très spécial, mais visuellement j'aime bien pour l'instant. Moi, j'aurais laissé le radeau là quand même. J'aime bien le personnage. Alors, par contre, son visage préféré, celui de Aloy, par exemple. Mais par contre, les cheveux, tout ça et tout, les dreads, enfin, le truc un peu en fourrure et tout. J'aime bien ce genre de personnage. Alors, pour l'instant, qu'est-ce que je peux faire? Rien. Ah, si, on peut regarder de plus près.
J'ai une touche pour courir. Je vois des îles arrivent et tout, ça me fait un peu flipper. Enfin, j'entends des high coming et tout ça. J'ai un petit peu peur quand même. Ouais, l'ambiance est vraiment. Chez eux, c'est pas Winter is coming, c'est Darkness is coming. Je vais enlever une oreille du casque parce que même si je profiterais mieux du son avec, mais parce que je m'entends pas parler, j'ai l'impression de gueuler avec le casque. Vous avez vu, ils ont enregistré ça en 3D binaural. En fait, la 3D binaural, c'est pour les équipements un peu. Enfin, vous savez, avec plein de petits haut-parleurs, par exemple les casques en 7.1, tout ça, ou même le home cinéma. C'est que si le bruit est à droite, vous allez l'entendre à droite, et si vous tournez la tête, il va vraiment se déplacer. Enfin, c'est, je sais pas trop comment vous expliquer ce que c'est que la 3D binaurale. Il y a des vidéos sur YouTube pour ça. Vous avez vu, ils ont même fait les petits cheveux dans le cou et tout, enfin. Bon, bah écoutez, on y va. Je suppose qu'il faut aller par là. C'est visuellement, c'est sympa. J'aime bien en tout cas ce que ça donne visuellement. Que les morts qui peuvent traverser ce pont. Ah mais je suis pas mort moi. Puis j'ai pas tellement envie pour l'instant. Bon ça, visiblement c'est pour avoir des infos sur le monde et tout. The evil ones dwell in Svartalfheim. The mountain giants dwell in Jotunheim. Elle me grimpe toute seule. Dwell in Muspelheim. Niflheim is the world of ice and darkness. Only the dead dwell in Helheim. And that is where you must travel. Visuellement, c'est très sympa, moi je trouve. Bon, là il y a beaucoup de brume, mais je trouve ça très sympa. Après, techniquement, c'est peut-être pas forcément au top. Il y a des textures un peu. Je peux pas descendre là? Ah, bah si, voilà. Il y a peut-être quelques textures un petit peu moyennes et tout. Regardez par exemple là. Mais artistiquement, visuellement, je trouve ça plutôt sympa.
ils ont quand même pensé à pas mal de petits détails, notamment sur le personnage. Donc je trouve ça pas mal. Quand on te dit c'est dangereux et en même temps touche dans la même phrase. Donc faut que je retrouve ça ailleurs. C'est ça, si j'ai bien compris. Ça devait être par là, hein, parce que... Ah ouais, fallait quand même capter là, hein. Ouais. Ben, je sais pas, on va l'ouvrir et puis on verra bien. Faut pas se rater là. Alors j'ai l'air sceptique comme ça, mais pas du tout, hein. C'est juste que pour l'instant, c'est vrai que c'est très spécial. Après, faut le temps que ça se mette en place. Et puis j'ai l'impression que c'est quand même un jeu qui est vachement tourné sur l'ambiance et tout, et plus que sur. Le gameplay en lui-même, même si après il va y avoir des combats et tout, enfin je me doute. J'ai vu quelques vidéos avec des combats, donc je me doute que ça va finir par arriver. Oh là là, oh là là, oh là là, merde! C'était scripté ça ou je suis mouru? Non, je suis mort. C'était pas scripté. Visiblement, c'est avec le stick droit que je gère ça, j'ai l'impression, je sais pas. J'ai l'impression. Bon, bah, je sais pas ce que j'ai fait.
giantess, Hela, daughter of Loki. Fille de Loki. C'est pas vrai qu'il faut que j'aille? Non. Attendez. Ah là, il y a une échelle. J'espère qu'ils vont expliquer les touches quand même avant les combats parce que pour l'instant en fait je me débrouille un peu comme ça hein, tout seul. Bon, j'ai pas eu grand chose à faire en termes de touches, mais je me débrouille un peu tout seul. Ils expliquent pas vraiment les touches, donc si c'est des combats un peu techniques et tout, j'espère quand même qu'ils vont donner les touches avant, histoire qu'on ait au moins une base. Un trophée. Je m'entends pas complètement des trophées, mais bon. Oh là. Bon, ça commence bien, dis donc. Et donc là, on nous explique pas les touches. Donc là, ah, donc la croix c'est pour esquiver. Le carré ça met des coups. Le rond ça met des coups de pied. Le triangle ça met des coups visiblement plus lourds. Écoutez, le système de combat, pour l'instant, il me plaît bien. Après, voilà, ça se joue sur les esquives aussi, hein. Ouais, le triangle, c'est des coups plus lourds. Oh putain, par contre, là, ils sont... Oh, ils sont trois en même temps. Ah, il faut... Là, je pense qu'il faut que j'utilise... Alors, soit c'est scripté... Coincé par contre là. Là, je pense qu'il faut que j'utilise. Ouais, non, ça marche pas. Je sais pas trop comment faire. Je pensais utiliser, vous savez, l'œil là. Enfin, ma concentration là. Ah, il y a une touche de garde. Parce que là. Là, je ne peux rien faire. Mais ça se trouve, c'était scripté. Hein. Aussi. Hein. Parce que là, je peux pas utiliser la. Vous savez, la concentration pour zoomer sur le truc, parce que je me suis dit, à mon avis, ça se trouve, faut les faire apparaître de cette manière, avec l'œil, notre œil. Hein. Mais non, là, c'est scripté. Bah merde!
what's to come. Poor Senua. The darkness does not bargain. It does not reason. It is rocked. And now it has taken hold. It will spread towards her head, the seat of the soul, until there is nothing left of her. All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time. Bon, visiblement, elle a les ténèbres qui avancent en elle, qui grandissent en elle. D'accord, donc en fait, à chaque fois que vous allez vous faire péter la gueule, en gros, les ténèbres vont grandir, et si les ténèbres prennent tout son corps, en gros, vous avez un game over, et c'est fini pour vous, vous recommencez le jeu dès le début. Visiblement, c'est ça. Ouais, donc c'est bien ce que je disais, c'est encore un truc Ninja Theory, donc ça va être le jeu où tu t'arraches les cheveux, à mon avis, et où tu pètes un câble. Il sera certainement très bien, mais ça va être compliqué. Ok. On va aller vers le feu, tiens. Vous imaginez un peu. Bon, la mission elle est simple, t'as le dieu du feu, tu vas lui casser la gueule. Ah, c'est des illusions ici. On va continuer un peu, écoutez. On n'ira peut-être pas jusqu'à lui, mais... C'est plutôt joli quand même, hein. Quand vous avez vu, il vous lâche comme ça, même avant un combat et tout, il vous explique même pas les touches, rien, vous vous démerdez, quoi. C'est... Par contre, le système de combat, j'aime bien. Vous voyez, ce que j'aime pas de Dark Souls, par exemple, c'est pas la difficulté, parce que la difficulté de Dark Souls, elle est pas idiote, en fait. Parce que si, à partir du moment où vous avez compris comment prendre le jeu, c'est difficile, mais c'est faisable. Quand vous mourrez, c'est pas parce que le jeu a un truc qui est mal fait, c'est parce que c'est vous qui avez mal fait un truc. Mais moi, Dark Souls, j'ai pas supporté. Déjà, je suis pas patient. Et ça m'a énervé, parce que j'ai beaucoup de mal avec le gameplay hyper lourd de Dark Souls. Alors que là, quand je vois le système de combat et tout, comment c'est foutu, ça a l'air bien plus, bien plus vif et tout, et du coup... Du coup, ouais, le gameplay de Dark Souls, ça me, c'est trop lourd, c'est trop, je sais pas, ça me plaît pas. J'ai beaucoup de mal. Après, c'est personnel, hein.
Je sais que, comme sur Internet, on n'a pas le droit d'avoir un avis différent de la majorité, donc je vais me faire insulter certainement, mais. Mais moi, ouais, Dark Souls, j'ai beaucoup de mal. Tiens, ce truc. Bah, la porte s'est ouverte. Et bah allons-y. Mais en tout cas, ouais, en termes de gameplay, pour l'instant, ce jeu-là me plaît plus. Après, je pense que c'est des jeux totalement différents. Parce que en plus, dans Dark Souls, vous avez un côté RPG un peu, enfin, dans le sens où vous avez un inventaire à gérer, vous avez des compétences à améliorer, vous choisissez une classe, enfin, voilà, là, c'est pas du tout le cas. Regardez le jeu d'ombre et tout. Après, je ne sais pas si le jeu est long ou pas. Faire avec ça, ok. J'entends des voix. Allez, nique-toi, salaud. Je pense que les coups rapides sont plus efficaces quand même avec eux. Ouah, putain. Ouais, faut quand même esquiver, hein. Faut pas. Merde, je me suis trompé de touche. Je pense qu'il faut pas mal esquiver. Après, une fois que vous les tenez, ceux-là, ça va. Merde. Voyez par exemple l'erreur que j'ai fait là. Bah, je l'ai payé tout de suite puisque j'ai pris un coup dans la gueule. Ah, moi, j'aime beaucoup ce système de combat. Là j'aime bien, là c'est vif et tout, là ça me plaît bien. Voilà, bon je pense que j'ai niqué tout le monde, puisqu'il y a une sauvegarde, ouais c'est bon. On peut y aller. Bon cette vidéo elle va être longue, hein. Je retourne par là? Non? Je ne sais pas. J'ai pas l'impression.
Ah, alors regardez. Regardez ce que je viens de faire totalement au hasard. Je vous ai fait une bonne coupure. En fait, j'ai regardé les signes là, à travers ce truc, et regardez. Oh putain, c'est tordu quand même, hein. Il va falloir monter. Et de là-haut, on va pouvoir aligner les signes. Je suis sûr qu'il faut aligner les signes, mais qu'on ne pouvait pas le faire d'en bas. J'en suis quasiment certain que c'était ça le truc. Et voilà, c'était. J'étais certain qu'il fallait les aligner, mais c'est juste que d'en bas, on ne pouvait pas le faire. Putain, tout ça pour ça. Bon. Bah, je vous aurais coupé au moins un quart d'heure. À galérer comme un con. Truc de ouf. Ouais, c'est très particulier quand même. On va aller voir par là, il y a une porte. Ouais, je suis encore pas au bon endroit. Alors que je regarde à travers ce truc sûrement. À mon avis, il est pas loin et je vais bientôt me faire casser la gueule par un truc énorme. Oh là, regardez ça. C'est quand même très 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 particulier. Bon. Bon, si on m'a permis d'aller par là, à mon avis, c'est que... Faut que j'aille par là, hein. Non. On peut rien escalader, hein, donc Bon. Il y a un portail ici, je l'avais pas vu. Ça m'a ouvert le chemin. Bon. Il est encore là-bas, ce con. Enfin.
encore une feinte, sûrement, mais oui, voilà. Bon, regardez. Maintenant, il y a des escaliers. Donc, je vais pouvoir monter. C'est chaotique un peu là. Il y aura plein de cuts à faire. Parce que, du coup, je me suis un peu pris la tête quand même. Et voilà. Bon. J'espère que cette fois on va pouvoir aller lui casser la gueule, qu'on puisse arrêter cette vidéo, parce que sinon je l'aurais arrêté il y a bien longtemps, mais le problème c'est que maintenant que j'en suis là, autant aller jusqu'au boss, quoi. Parce que si je vous arrête la vidéo maintenant, bon, ça aura servi à rien qu'elle dure aussi longtemps. Vous voyez les moments où je peux monter comme ça sur le décor, c'est vraiment quand ça a été prévu pour. Ça sent pas bon là. Ça sentait le caca, je m'en doutais. Visiblement, les combats, ce sera quand même pas la majorité du jeu. Il y aura beaucoup de, entre guillemets, d'énigmes et d'explorations. Oh merde, ils sont deux là. Wow. Là, faut vraiment faire attention parce que du coup, là. L'enfoiré. Oh putain. Non, mais là, s'ils sont deux aussi, c'est compliqué. Il va falloir les gérer. Bah ben non, pas fini, je visse parce que là, ils sont deux en même temps, donc... C'est bon. Bon. On arrive à s'en sortir quand même. Cette vidéo, elle va durer une plombe. Elle va être longue. C'est même trop, il y a des gens qui vont pas vouloir la regarder parce qu'ils vont dire, ouais, je vais me spoiler et tout. Mais bon, c'est pas grave. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo aussi longue.
En découverte, je parle, hein, parce qu'après, bon, les let's play, c'est arrivé, mais... Do you know what it's like to leave everything behind? Your home, loved ones, to head deep into the wilds, perhaps never to return. Senua does. Because when darkness speaks, it changes everything. Mais j'avoue, j'aimerais bien qu'on arrive au boss là. Pour voir ce que ça donne un peu. Puis j'aimerais bien aller lui casser la gueule quand même. Bon, ça se trouve, il va me faire défoncer, hein, mais... Par contre, on n'insistera pas sur le boss si je le bats pas du premier coup, bon bah... Un petit peu chiant ces trucs à aligner là. Il est un petit peu chiant ce... J'en ai marre de tes illusions, mon gars. J'ai envie de te frapper dans la bouche. Alors, s'il te plaît, arrête de te cacher. Ah mais là c'est mort putain, il y avait un truc tout à l'heure là. Oh putain. Je crois que je me suis niqué tout seul avec ces conneries. Bon, je vais vous faire un gros cut là aussi. Je tente pas vous montrer comment on fait. Bah écoutez, on va devoir s'arrêter là pour cette vidéo. Je suis désolé, j'aurais pas pu vous emmener jusqu'au boss, mais regardez, je suis victime d'un bug. Regardez. Et je ne peux plus descendre de cette échelle. Bon. Bah écoutez, on n'aura pas réussi à aller jusqu'au boss. Je suis désolé, la vidéo est super longue. Même s'il y a des cuts, donc je vous remercie, je vous dis à la prochaine, salut à toutes et à tous.